Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Subnautica. J'allais me manger les champis. Et je suis très inquiet par la consommation d'énergie de mon cyclope. Ça sert à rien en fait les phares. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé en gros, je dirais, 2 minutes entre l'épisode précédent et celui-ci. Je voulais allumer les phares. On était à 73% il y a 2 minutes. Ok, ça sert à rien les phares. Éteins-les. Du coup, bon, je me suis mis en vitesse x1. Enfin, oula, je sais pas si ça compte ça. Donc, attends. Putain, je suis perdu. Oula. Attends, on va faire un truc. On va pas consommer plus que de nécessaire. Éclairage interne, tu me l'éteins. Voilà. Activer le système anti-incendie. Oui, si tu veux, et ok. Allez, on y voit mieux de suite. Alors, attends. Que je me repère. Caméra qui, non. Caméra château, oui. Volcan, ouais, ça c'est la base. Et... caméra... j'ai plus les balises ? J'ai pas les balises, sérieux? Pour me repérer, ça va être un poil chaud. Bon, attends, je sais que... ouais, c'est dans cette direction-là. On va aussi faire un truc, attends. Non. On a... putain, on a pas accès à l'inventaire. Ça, tu me l'enlèves. J'ai désactivé la 17, non? Si. Voilà. Après un système de grotte. Et après il n'y aura plus qu'à continuer. Ouais, on va rester comme ça. On va prendre un peu de hauteur quand même. Ah, ça risque d'être un peu long, mais j'ai tellement peur de pas avoir de quoi revenir. Après, je me dis, si vraiment on n'a pas assez de batterie, on peut toujours prendre les batteries du prone en espérant qu'il y ait assez d'énergie. Je sais pas si c'est pas si on peut passer par là, en fait, je suis en train de me dire. Oh. Mais qu'est-ce que je touche? Ouais, là c'est jouable de passer? J'ai un gros doute. Ça remonte par là. Putain, c'est... j'avais pas pensé à ça en partant. Alors attends. On est où là? Bon, c'est en surface au pire, hein, c'est pas très grave. Ah, lui il est plus haut que moi donc ça va. Si je passe devant, je passe derrière. Alors, système de grotte, il est là. Je suis au max niveau hauteur. Ça va pas passer. Je peux pas monter plus haut. Qu'est-ce que je touche? Oh putain, on va passer par où là? Je touche de partout. Je sais pas si ça vous est arrivé de faire ça. Là, on touche pas. Ok. Ah putain, les zigzags qu'il faut faire. Ok, là il y a de la place, parfait. Attends, juste 2 secondes. Où est-ce que je vois... oh putain, non, surface, surface, là, ouais. Où est-ce que je vois l'état de mon vaisseau? T'es bon? Ça, c'est ta vie? Bon, j'ai l'impression que ça change rien. Impec.
Ah, j'avais pas vu la petite, le petit radar en dessous. En bas à droite là. Bon, on va pouvoir plonger. Ah mince, je me trompe tout le temps. Entre C et espace. C'est dommage de pas avoir le HUD sur la profondeur là. Ça passe, ok, parfait. Oh, ce truc là qui vient d'apparaître, disparaître là, c'est les espèces de... c'est le Warper. Et j'ai pas de système de défense, et pour avoir des systèmes de défense, faut aller à l'endroit où il y a les Warpers. C'est un peu dommage. Bon, finalement c'est plus rapide que ce que je pensais en vitesse minimale, comme ils disent. Alors là on a une entrée je pense, mais j'aimerais pouvoir m'approcher un peu plus en fait. Du coup je dirais que c'est dans cette direction. On va descendre un peu. Ça c'est pas une entrée. Ça c'est pas le Léviathan. ouais je crois que ça donnait par là-bas si je me trompe pas. Ça donnait loin en tout cas. Alors, ça sert à rien, c'est juste les petites sensuelles. On est à combien? Ah là, on était à 1500 mètres. On était pas si loin que ça, donc je suis pas très loin. Est-ce que ce serait pas dans le coin? Alors attends, on va regarder comme ça. On a quoi comme mode caméra? Complètement à l'arrière, devant ou dessus? Oh, j'allais dire, j'ai laissé un 6 mois ici. Est-ce que là, ce serait une sortie? Ou rien à voir? Ah, je sais plus. Tu t'attaques même à moi là? T'es sérieux? Non. Ah, ici peut-être? Ça y ressemble. Ça y ressemble bien, cool. Eh, vous avez vu le sens de l'orientation un peu? Par contre, va falloir trouver un passage. Alors attends, on a combien de mètres là? Oh, la connasse. Je sais pas s'il peut faire mal au vaisseau. Dans le doute, le même bruit que quand t'étais pas silencieux. Bon, du coup. Non, je me suis trompé, on descend. Je sais pas combien de mètres on va arriver. C'est pénible de devoir quitter la caméra. On est à combien? 200 mètres? Allez, encore le Warper. Bon, on n'a pas l'air de l'intéresser, c'est cool. Putain, j'ai l'impression qu'il y avait une capsule là-bas. On va gentiment s'approcher des limites du cyclope, je pense. 350 mètres. Est-ce qu'on touche quelque chose là bientôt? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce signal jaune là? C'est la proximité d'un prédateur? Ah, possible. On en a d'autres dans le coin? Bon, en mode silencieux, on n'a pas l'air trop intéressant, je pense, pour eux. C'est comme ça que je le comprends, on a combien? 364 mètres. Ouais, par contre je vais manger ça là. 62, waouh déjà. Je me souviens plus d'où était l'entrée exactement. Alors attends, putain c'est le bordel pour
se repérer par là-bas, je crois. Et après... C'est quoi, c'est les crabes? Ouais, je crois. Attends, on a encore de l'uranium ici. Ouais, je me souviens plus du tout, c'est... Je vais toucher à l'arrière, c'est ça? Oui, non, mais ça va, je l'ai évité, là. Je me souviens plus où est l'entrée. Pour moi, c'est par là, mais j'en suis pas certain. De toute façon, par là-bas, on n'a rien d'autre. Hein. Mais là, il passe pas, mon Simote. Mon Siglide. Mon Cyclope. Je suis arrivé. Alors on va essayer quand même. Alors on va se mettre au plus bas. Et je vais changer de caméra. Attends, là on est un peu bas. L'arrière va toucher. Aïe, merde. Est-ce que je passe là? Bon, je sens que c'est le moment de sortir le... Ouais, bah on va y aller en prendre. C'est une grande première pour moi, les amis. 98%, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais j'ai rien d'autre. Il n'y a pas besoin de. tiens, oh putain, j'ai pas vu toute la quantité de bouffe et d'eau qu'on avait dépensé. Allez. Merde. Bon, tu peux rien me faire en même temps. C'était par là, hein, j'espère, hein, que je me suis pas trompé. Ouais, je suis intouchable, hein. Allez. On est à combien? On est qu'à 400 mètres en fait. Hein. Par contre, j'aurais bien enlevé. Bras de forage, il n'y en a pas besoin de suite. Ça me permet de dégommer 2-3 trucs. Donc c'est à gauche, ouais. Voilà. Parfait. On va juste retrouver son chemin après. Oh mais... Ah mais c'est toi qui m'attaque? Bah vous êtes défoncé tout seul sur moi. Je viens d'enlever le bras de forager de l'uranium. J'ai un doute sur le fait d'avoir pris le bon chemin en fait. Je me souviens pas être passé par là. Bah non là c'est un cul-de-sac. Ah, par ici j'avais une entrée, je pense. Ouais, j'ai vraiment pas pris la bonne entrée. Ah non, je suis descendu simplement. Y a pas les lumières là-dessus? Alors, c'était où? Est-ce que j'irai à gauche? Qu'est-ce qu'on a ici? Minerai de cuivre, non. Oula. On le tente. Il y a plus de 900 mètres là. Je me souviens plus s'il y a plus de 900 mètres. Bon, on peut faire une halte ici là déjà. Et après... Attends, on allait si profond? Je me souviens pas. Merde.
Oh merde. Bon, en même temps, je peux le faire comme ça. Je suis à combien là? Oh, mais ça va, 600 mètres. Putain, il y a une raie électrique. Est-ce que je l'intéresse? Je sais pas trop, mais je me souviens pas du tout de ce chemin en fait. Ah, mais si, je passe par là, ça me revient. Je m'en souviens de cette espèce de champi. Ah oui, ok, on arrive à la rivière là. Par contre, je peux vraiment pas passer par le chemin le plus simple pour avoir un accès avec le cyclope. Bon, par contre, l'avantage, c'est que je crois qu'ici, il n'y a aucun prédateur, hein, si je me souviens bien. Donc en fait, là, on a... Merde, je me suis trompé. Là, on a... Est-ce que je peux choper ça? T'es sérieux, je peux pas monter? Bon, en même temps, je suis arrivé. Et donc, qu'est-ce qui se passe, là? Du rubis. Ouais. Mais non. Voilà. C'est pas plus profond que ça? C'était quoi ce bruit? Je peux ressortir ou pas là? Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais non, mais c'est du quartz, t'es sérieux? Pourquoi la musique change? J'ai un prédateur au-dessus de la tête? Il y a vraiment pas de ressources plus près que ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Nickel. Oh, nickel! Mais c'est nickel! Le seul souci, c'est qu'il va falloir que je sorte pour changer le bras. Tu m'as vu ou quoi? C'est quoi ça? C'est pas le moment de sortir. Merde. Oh, c'est con de pouvoir changer sans sortir. Alors attends. C'est quoi en fait qui fait ça? Pourquoi je vois pas? Oh putain! Le truc il spawn dans le... Directement dans le... dans la lave là. Bon, par contre je pense que je peux mettre des coups dans la gueule parce que j'ai même pas perdu 5%. Tu me laisses sortir, juste changer mon bras? Ah, je pourrais plus te mettre des coups dans la gueule. Mais est-ce que j'ai bien du grappin? Maintenant? Je suis pas certain. Alors, bras de fourrage, oui. On va enlever le grappin. On va choper du nickel. Je sais plus dans quelle main je l'ai. Dans la main droite, gauche. Dis donc, c'est long. Ça c'est cool que ça ramasse. Que ça ramasse tout seul. Zut, zut. Il y a 8. Pas mal. Allez, on y est presque. Impec. Alors. Attends, j'ai vu une ressource là, c'est quoi? C'est du rubis. Ok, je m'en tape. Donc, alors attends, la tête de crâne. Oh, j'ai eu peur. Oh, mais je suis pas allé là-bas. Je crois.
Où est-ce que je dois aller? Par là. Ouais. Bon, ce bestiole-là, on a vu que c'était pas méchant. Alors, c'est à partir d'ici qu'on commence à avoir des ressources intéressantes ou pas? Ah, c'est ça le soufre cristallin, non? Yes. Non. Cool. T'en as d'autres par là? Du titane. Bon, je retiens qu'il y en a, mais pas forcément de suite. Non, bon, par là, y'a rien. Allez, on continue. Bon, ce qui est rassurant, c'est que les batteries du prône ne s'usent vraiment pas vite. Par contre, y a pas fou niveau ressources ici. Hein. Là, un peu de soufre cristallin. J'en suis à 2, on va pas aller loin avec 2. Là, 3, parfait. Cool. Est-ce que je suis invisible pour eux quand je suis sous ça? Je sais pas trop. Bon, ça c'est cool. Soufre cristallin. Merde. Alors, est-ce que du coup tu m'as débloqué des trucs? Des recettes par exemple. Genre polyaniline et distane. Au hasard. Bon, ça, d'accord. Plus que un, donc non, en fait, c'est la ressource en elle-même que tu m'as découvert. Non. Même pas. Qu'est-ce qui manque, là? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Super, la chaise de bureau. Waouh, on est content. Que je viens de là, je sais plus, merde. Bon, on fera demi-tour si je me suis trompé. Non, je pense que c'est bon, là, c'est le bon chemin. Du quartz, on s'en tape. Ça, c'est quoi? Du titane, non? Nickel, ouais, moi j'ai déjà fait un petit stock. Mais arrête de taper comme un idiot, voilà. Non, je crois en avoir vu. On en a combien là? Oui, mais je sais pas. C'est dans le stockage. Bon, il n'y a pas autre chose comme ressource que j'aurais pas découvert. Juste soufre cristallin et nickel que je connaissais pas. Enfin, que j'avais pas en quantité suffisante en tout cas. Je vais ressortir où là? D'accord. Ouais, eux sont un peu infectés, ok. C'est quoi cette boule là? Vous me laissez tranquille là, juste le temps que je regarde le stockage, ce que j'ai. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas énorme. 7, je vais en prendre 2 de plus. Attends, j'ai quoi d'autre dedans? Du rubis, on peut l'enlever. Bon, attends, je vais enlever tout ça en fait, je suis bête. On pourra faire de la place. Parfait. Ok. Ouais, en fait, je crois que j'ai pris tout ce qui était facilement accessible ici. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Putain, j'en ai un autre ici. Parfait, ça fait 8. Qu'est-ce que c'est nickel? Ça coûte rien à reprendre.
C'est un poil long, mais bon. On fait le stock. Bon, et au final, dans cette partie, on n'aura pas eu besoin d'une très grosse base pour avancer dans l'histoire, finalement. La seule chose qui me manquerait, ce serait la centrale nucléaire. Sachant que maintenant, j'ai de l'uranite pour l'alimenter. Je mine dans le vide, non. Mais à part ça, on est bien. Putain, je vois rien. Il est pas en face en même temps du truc. Ok, c'est bon. Bon, j'essaie d'ouvrir les yeux quand même. Pas oublier quelque chose d'évident. Mais je pense qu'on est pas trop mal, on va pouvoir rentrer et faire les améliorations qui me manquent. Mais il doit y avoir des... falloir refaire un tour dans le biome aux champis gelés là, champis roses. Parce qu'il y a des trucs, il y a un endroit que j'ai pas dû explorer parce que j'ai pas l'unité de confinement alien. Et je l'avais toujours à peu près quand même ce truc. Allez, tu peux le faire, oui. Donc la sortie elle est par là-bas, hein, on est d'accord. Hein. Je sais même plus, attends. Mon cyclope, il est... non. Il est où? Merde. Il est où le cyclope? C'est par là pour moi la sortie. J'arrivais sur ça. Hein. C'est bien la bouche là. Ouais, il y a les dents, c'est la bouche. Donc oui, la sortie est par ici. C'est un trou ça? Non, je peux me poser dessus, super. Ouais, c'est ça à mon avis. On pourra juste choper le grappin. On va enlever le bras de forage. Et alors, est-ce que tu peux arriver jusque... Merde. Non. Ouais, à mon avis, il est là-haut. Eh, mais il y a de la propulsion quand même. Pour un niveau 1 de propulsion. Reste accroché, reste accroché, on va remonter. Putain, c'est merdier. Allez, reste accroché, faut qu'on remonte. Attendez, je suis juste... Ouais, non, j'allais dire, je fais juste un petit switch, mais avec le clic droit en français, ça va pas être facile. Allez, on monte, on monte, on monte. Je pense qu'il est tellement haut que je le vois pas, en fait, mon... Eh bien. Mon cyclope. Mais c'est sûr, je suis arrivé par là. Et ce bruit, c'est les warpers. J'aime pas trop beaucoup ça. Voilà. 88, ça va, on tient. Si je te mets des coups dans la gueule. Bon, on a de la propulsion, faut juste qu'on ait la place. Putain, mais on est haut. Mais tu gouges. Je te latte la gueule, moi. Je suis en Lillois, hein. Désolé pour les Lillois. Oh là, mais quelle misère, en fait. J'en transpire presque. Thank you.
Et bien reste accroché. C'est vraiment très mal fait le... l'espèce de capot là au-dessus là, on voit rien. Bon, j'espère que je me trompe pas de côté par contre. Je crois pas, là, je suis arrivé par là. Non, je veux pas tomber, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, réacteur nucléaire! Mais c'est génial! Alors, il n'y a pas l'autre gogol. Mais putain, il y a tout ici. Réacteur nucléaire. Bras lance-torpille, mais c'est génial, j'ai bien fait de m'arrêter là. Réacteur nucléaire. Cool. Alors, vous allez pas me défoncer. J'espère qu'il y a que deux parties sur le réacteur nucléaire. S'il y en a trois, ça me ferait un peu chier, j'avoue. Il y en a trois, ça me fait un peu chier, j'avoue. Putain. Ça aurait été tellement bien qu'il y en ait que deux. Ou alors que j'ai les trois directement là. Ok, j'en ai deux. Un pain que j'ai raté par là. Là. Oui. Oui, j'ai le réacteur nucléaire. Eh ben, elle aura vraiment pas été inutile cette expédition. Génial. Aquad. Alors par contre, pour remonter ensuite. Vous devez rien y voir, ça doit être très pénible pour vous, mais je vous avoue que c'est vraiment pas le plus cool pour moi non plus. Juste un truc qui m'inquiète, c'est que... Putain, on est encore à 400 mètres. C'est que... j'ai pas la balise de mon... De mon cyclope. Putain, je vais arriver là-haut. Je pense que je pars... Ouais, j'ai une épave là. J'ai pas vu d'épave à l'aller. Que c'est long. C'est pareil pour vous, c'est moi qui ai pas les améliorations qu'il faut. Que là... Mais ouais, mais le cyclope, ça va être chiant à aller chercher. Limite, le cyclope, faudrait aller le chercher avec le... Attends, on va faire une escale, vite fait. Je passe direct, comme ça. Oh ! Merde, je me suis coincé. Je me suis coincé. Non, c'est bon. Je posais sur quoi? Là. Ok, on va y aller comme ça, ce sera plus simple. Ouais, dites-moi, ça, c'est que moi qui galère ou... qu'est-ce que j'ai ici? C'est que moi qui galère, t'as PD abandonné. Rejoindre un conseil d'administration d'Altera. Alors attends, la sortie est là. Qu'est-ce que j'ai ici? Un signal, ok, une chaise. Oh! Bras grappin, je l'ai déjà. Réacteur nucléaire. Je l'ai, hein? Ouais. Bon, je sais pas si vous l'avez exploré, cette base. Si vous l'avez exploré, dites-moi si je loupe un truc derrière cette porte. Sinon, on va pas s'embêter à l'ouvrir. Ok. Qu'est-ce que tu veux me faire scanner ici? Ah, ça, oui, je m'en fous. J'ai perdu la sortie. Là. Là, voilà. Ouais, je pense que je suis arrivé par un autre endroit. Quoique, je suis à 326 mètres... Pourquoi j'ai pas la balise du cyclope?
que je suis dans le prone. Au niveau des balises, tu m'actives, tu désactives tout, voilà, et tu me mets que... Nautilus. Ah, mais il était désactivé. C'est pour ça que je l'avais pas. Et du coup, il est... là. Ah, je suis arrivé par là, alors. Je pense. Voilà, attends, pendant la descente, on va recharger, on va boire un coup. Ok, il est là, ça va. Stabilizing. Rien d'intéressant de plus par ici. Oh, je ne sais pas cela. Attends, c'est quelle main? C'est la droite, la gauche? Je l'ai défoncé ou je l'ai pris? Je l'ai défoncé. Champi abyssal, je crois pas que j'en avais. Ah, mais ça va me débloquer certains trucs, ça, à mon avis. On va en faire un petit stock. Mais tape pas comme un con. On a un. Ah, j'allais dire, on a un stock. Je crois qu'il y avait un. Un intellectuel encore. Tiens. Allez, allez. Ah voilà, fait l'étoile de mer, ça te va mieux. Bon, on touche gentiment à la fin de cet épisode. Et ça va... Ça va aussi marquer la fin de ma session de tournage, parce que j'ai pas envie de prendre trop d'avance sur... par rapport aux commentaires qu'on me laisse. Je trouve que c'est un peu mieux quand même d'avoir des trucs en temps réel. Putain, qu'est-ce que je peux farmer là? De l'or. Et de l'uranite. Bon, je sais où c'est de toute façon et c'est à l'entrée, donc ça va. Par contre, pour rejoindre ça... Ouais, c'est un petit peu loin encore. Donc ouais, je vais m'arrêter ici. Je vous retrouve dans les commentaires pour me donner vos impressions, pour me dire ce que j'aurais peut-être loupé. Il est où? Non, mais il est juste là, ok, cool. Ah, c'est vraiment pratique quand on commence à apprendre à s'en servir. Allez, on rentre dans le bateau. Enfin, dans le bateau. Dans le submersible. Je pense que c'est là. J'ai un doute. Non, peut-être plus en avant. Ouais, plus à l'avant. Aïe. Merde, j'ai loupé. C'est là? Tu t'ouvres pas? C'est où l'arrivée? Enfin l'arrivée, l'entrée. Mais je suis au-dessus là. Pourquoi je peux pas rentrer? À tous les coups parce que je suis en mode... T'es sérieux? Y'a plus de batterie? 0%. Mais j'ai tout éteint. Ah, j'ai laissé le moteur tourner, quel con. Ok, alors attends. Niveau santé, ça va, je vais pas défoncer. Je les ai sur moi les batteries, ouais. Amélioration, non, c'était pas ici là. Sur 1200, ça permet de... Est-ce que ça permet déjà d'allumer la lumière? Ok. Et ici... 34%, waouh. Bon, mince. Bon, par contre, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir donc monter le cyclope et récupérer ses batteries pour les mettre dans le sous-marin.
Attends, mais je... Ah, c'est là. J'étais au-dessus. Ok. Bon. Fin de la première expédition productive. Alors, attends. Et non, moi, je vais récupérer ces batteries. C'est pas possible. C'est pas possible. Eh ben, c'est pas grave. Bon, allez, on se laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain après vos commentaires pour la suite. 32, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. C'est juste 31. Et pourquoi ça baisse? Tu m'expliques? Moteur déconnecté. Mode silencieux. Pas 30%, ok, bon. Vous savez quoi? On va sauvegarder direct. Et je pense de perdre plus que... Ouais, voilà, on s'arrête ici. 30%, je sais pas si ça va suffire à rentrer, j'espère. Au moins pour sortir de cette entrée-là, en tout cas. Et pouvoir revenir avec le... Avec le Simote et des batteries pleines. Et voilà. Allez, je vous retrouve demain. Et je vous retrouve aussi dans les commentaires. Salut à tous.